l'ouverture de cette première agence de nouvelle ère sur le Grand Tunis, elle s'inscrit principalement, pour ne pas dire exclusivement, dans une quête de nouvelle ère pour se rapprocher plus de ses clients. L'offre de nouvelle ère aujourd'hui n'est plus une offre touristique pure. Au contraire, depuis 3 ans, nous développons un réseau de vols réguliers destiné à tous les voyageurs, dont principalement le voyageur tunisien. Que ce soit tunisien résident en Tunisie ou tunisien résident à l'étranger, et puis tous les résidents qui sont bien sûr en Tunisie. Nous avons des points de vente situés sur les 4 aéroports tunisiens, Tunis, Carthage, Nfida, Hammamet, Monassir, Habib Bourguiba et Djerba, Djergis. Mais nous avons observé et constaté un besoin de nos clients pour qu'ils puissent avoir un contact direct avec leur compagnie, mais sans avoir la difficulté des parkings, de l'accès aux aéroports, etc. Donc, nous avons décidé de l'ouverture. Bien sûr, la première ouverture devrait se faire à la capitale. Le choix géographique du centre urbain nord est plutôt un choix pour permettre un accès facile à tous les habitants du Grand Tunis, que ce soit Tunis Sud, Tunis Nord, la partie est ou ouest de Tunis. Et en plus, il n'est pas très loin de l'aéroport, il est à quelques minutes en voiture de l'aéroport. Et donc, nous souhaitons accueillir nos clients dans un cadre qui est simple et beau, là où ils peuvent avoir les informations, ils peuvent acheter, ils peuvent réserver, ils peuvent consulter dans un confort, le confort qu'ils méritent. Alors, d'abord, quelques chiffres concernant la compagnie. Nous allons commencer l'âge de nouvelle ère et s'approche des 30 ans. On est à 29 ans et quelques. Nous avons, depuis notre genèse, nous avons transporté près de 30 millions de passagers sur ces 29 années. Les desserts de nouvelle ère aujourd'hui sont principalement à partir des grands aéroports en Tunisie vers pratiquement toute l'Europe. Nos vols réguliers principalement sont sur la France, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Russie, l'Arabie Saoudite par le biais des vols Omra et l'Algérie. Sur la France, à titre d'exemple, nous avons des vols quotidiens et bi-quotidiens entre Tunis et Paris. Nous avons aussi presque des vols quotidiens de Monastir vers Paris, de Djerba vers Paris. Aussi, nous avons des vols vers Nice, vers Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes, Lille et bientôt Balmulhouse. Sur l'Allemagne, nous opérons des routes sur Düsseldorf, sur Stuttgart, Munich, Hanovre, Leipzig et Berlin. Nous touchons Copenhague à partir de début 2018, à partir de l'aéroport Monastir, et à Stockholm en Suède. Nous avons aussi pas mal de vols sur Moscou et sur Saint-Pétersbourg, Alger, des vols entre Tunis et Alger, et bien sûr les vols Omra. Et notre plan de déploiement prévoit l'ouverture de lignes aussi qui sont très prisées par les Tunisiens, telles qu'Istanbul. Nous souhaitons probablement, si Dieu le veut, nous souhaitons démarrer une desserte entre Tunis et Istanbul à partir du mois d'octobre 2018, qui seront suivis d'autres vols vers l'Italie, vers la Grande-Bretagne, vers la Belgique, vers l'Espagne. Il est clair qu'après les 2 années catastrophiques de 2015 et 2016, depuis 2017, nous avons observé, nous avons vécu, expérimenté une inflexion dans la tendance. On était dans une tendance baissière, et là je ne parle pas uniquement de nouvelle ère, mais pratiquement tous les acteurs du transport aérien dans notre pays. L'inflexion s'est faite à partir de l'année 2017, où les choses vont mieux. L'année 2018, c'est clair. La croissance de nouvelle ère sur le premier trimestre est à 2 chiffres en termes de nombre de vols, en termes de nombre de passagers transportés. La saison touristique, Inch'Allah, sera prometteuse, elle est prometteuse.
Il suffit qu'il y ait une stabilité sécuritaire, une stabilité dans le pays, et les touristes européens reviennent vers cette belle Tunisie qu'ils adorent. Et nous pensons que, Inch'Allah, sur les 3, 4, 5 prochaines années, sous réserve que le pays reste stable et améliore sa stabilité, je pense que les touristes seront de retour. Et pourquoi pas, en 2020, pourquoi pas atteindre le 10 millions de touristes comme le prévoit notre gouvernement. C'est quelque chose de possible, mais il faut des préalables. Et ces préalables, espérons qu'ils seront au rendez-vous.